salut les clients, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on fait une petite vidéo sur l'alimentation. Je vous montre des produits, on pense que c'est bien pour la santé, qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Mais en fait voilà, c'est blindé de sucre. Je vous présente ce produit, donc c'est du thé. Moi franchement je le kiffe ce thé, il est vraiment terrible. Au début j'en buvais beaucoup, je voyais faible en calories. Et une fois que j'ai regardé derrière, j'ai fait à peu près la comparaison. Je me suis dit en fait... Faut arrêter d'en boire beaucoup. Il faut en boire comme un soda en fait. Donc là on va faire une petite expérience. Je vous montre le sucre qu'il y a et par rapport à une canette de coca. Allez c'est parti. Allez, donc là on met 50 grammes de sucre. Pour 1 litre de thé, on a 50 grammes de sucre. Donc pour 1 litre de coca, on a 105 grammes de sucre. Et pour 1 litre de thé, voilà, on a 50 grammes. Donc bien sûr, il y a moins de sucre que le coca, mais voilà, c'est quand même élevé. Voilà, pour faible en calories, on croit que justement c'est bien pour notre corps. Il y a peu de calories, mais voilà, il y a quand même 50 grammes de sucre. 50 grammes, c'est vraiment énorme. Donc voilà pourquoi ce thé, il faut plus le boire, ouais, il faut pas en boire souvent. Il faut en boire à la place d'un soda, oui, mais il faut pas en abuser. Voilà, le meilleur, bien sûr, c'est l'eau. Il faut boire de l'eau si vous voulez perdre du poids. Pourquoi? Parce que l'eau, il y a zéro calorie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à ajouter ma page Facebook, ma chaîne YouTube, donc Strike Workout. Et je referai des petites vidéos comme ça pour vous prouver que... Donc il faut pas croire la publicité, il faut vraiment, vraiment croire ce qu'il y a dans les étiquettes. Donc c'est ça le plus important.